Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est comme d'habitude LPG et Quantum 3. Évidemment. Voilà, de retour sur notre jeu d'objets cachés du moment. Oui, de l'été, voilà. Et on était arrivé donc sur cette fameuse île mystérieuse où il y avait la pauvre fille qu'il faut qu'on sauve. Qu'on avait entreaperçu, je crois, en plus. Voilà. Elle a l'air heureuse. Elle a l'air contente, elle se cache. Alors, est-ce qu'on va sauver elle et le Hollandais volant, ou juste elle? Bon, après, question justice, je dirais qu'elle a mérité d'être sauvée, ça c'est sûr. C'est clair, lui... Lui... pas trop. Hein. Franchement, personnellement, je sauverais qu'elle, mais bon. Bon, c'est bien notre pote, hein, à la limite, si on peut, mais... Ouais, c'est clair, quand même. Alors, alors là, il y avait des trucs qu'on n'avait pas vus. Là, je pouvais prendre un truc. Ça. Non, ça. Ah. C'est vrai que oui, je me souviens. Ouais, c'était ça là. Ah oui, c'était ça. Alors. Tac. Mais. Alors, soit t'es à côté, et c'est mal fait, soit il faut la coller. Ouais, peut-être la coller, ouais. Bon. Alors, bah, non, je sais pas. C'est possible. Ouais. Ah, mais je peux aller à gauche aussi. Ah, on l'a pas vu. Ah, je peux pas aller à gauche. Bah, un petit peu. Un petit peu. Qui a foutu un armoire ici, franchement? Ah, c'est ça. Ah oui, ouais. C'est ça. Alors peut-être que là... Je veux dire que la commode, elle avait une drôle de forme, mais du coup, c'est parce qu'elle est couchée. C'est ça. Ça me rappelle, il n'y a pas ça dans La Belle et la Bête, une commode qui parle, non? Ah, c'est possible. Ouais, il me semble. Dans La Belle et la Bête, il y a quand même beaucoup de meubles qui parlent. C'est clair. Une échelle sans barreau, comme un canon sans mèche, quoi. D'accord. Super. Ah. Ça tombe bien. Moi, heureusement que quelqu'un a laissé sa colle ici. Traîner à l'air libre qui n'a pas séché du coup, évidemment. C'est clair. Et ça. La façon qu'il manque. Deux tiges. Oh, c'est un petit truc avec des... Un jeu pour enfants. Des osselets. J'ai pas de tige. Ah si, j'en ai une. Mais pas deux. Dommage. Et une citrouille. Ah non, la terre du pot est pas assez vrai, il faut la ratisser. Un pot citrouille. Ok, bon. Alors j'ai la colle. Est-ce que je peux coller là? Est-ce que c'était bien pour ça? Quel pot de colle. Lol. Voilà, voilà. Vous nous connaissez. Hein, ça commence bien, bien sûr. Ça commence bien. Et t'as gardé la colle? Ouais. Oh, nice. Poignée. Et ça, c'était quoi? Il fallait casser ça. Ah, tout pété. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, pas ça. Je veux coller la commode. Oh là là. Rouage. Ah, coquillage. C'est tout. Ok. Ok. Bon, super. Deux sur... coquillage. Ouais, plus que un. Ouais. Ça, c'était là, l'échelle. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Rouage. Les planches que t'as, est-ce qu'elles peuvent servir pour la... l'échelle ou pas? Ah, possible. J'ai l'impression que les couleurs sont similaires, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah oui. Ah, yes. Faut les... Il va falloir faire un marteau. Faut les coller. Non. Oh, mais juste je lance un coup de marteau, je vois les clous qui dépassent. Mmh. Ah oui. Vu que t'... J'ai le marteau, ouais. Vu que j'ai fait la blague de ah lol, faut lancer sur moi. Ah, échelle. Puis là, on peut y aller ou pas? Dans la vraie vie, oui. Ah, un coup de canon. Ah oui, depuis, ah le, oui. Depuis le bateau, en fait, ok. Toujours dans la délicatesse. Hein. Ce que j'avais, le canon... Mais qu'est-ce qui nous empêchait de tirer? Ah, c'est... Ah, il faut la boule, ok. Bon, ça, on aura intérêt à bien viser. T'es toujours pas sorti de tes trucs, toi? Je pense qu'il s'est endormi, il fait semblant. C'est clair, ouais. Oh là là, je suis coincé, et en fait, on s'y fait rien. Alors, rouage, échelle. Peut-être pour monter à l'arbre. L'arbre de droite. Ah, de droite. Donc, ah oui, de droite. Hop. Et là-dedans, ah, le troisième. Parfait. Et une plume. Ah, c'est le pélican.
Ah, je pensais... Oui, c'est vrai qu'il lui manquait des plumes, mais... Je pensais qu'il fallait en pierre, mais... C'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais. Si ça marche, je suis étonné. Oh, ça marche. Oh, incroyable. De la magie noire. Et la deuxième tige, ok. Bah, ça, j'aurais pas su. Hein. D'instinct, j'aurais pas mis une vraie plume dans un endroit où il faut de la pierre. C'est clair, c'est magique. C'est quand même une malédiction et tout. Hein, faut... C'est clair, c'est quand même l'île mystérieuse. Pareil. Mais non, c'est vrai, je ne peux rien dire. Ah, on va jouer à ça. Ah, je pense que ça va être bien amusant. Amener tous les anneaux sur la tige de droite, ces anneaux doivent forcément être posés dans l'ordre décroissant. Mmh. Alors. C'est-à-dire que. Ok. Du coup, il doit être dans le même ordre que. Ouais, faut toujours que le plus gros soit en bas et le plus petit au-dessus. Ça, normalement, ça va, je pense. Bah, normalement, tu mets tout au milieu, tu rebalances tout après sur l'autre, non, je sais pas. Ouais. Attends, il faut qu'il soit sur quoi? Sur la tige tout à droite? Tout à droite. Là, bah, parce que là, tu mets tout au milieu, quoi. Non. D'abord tout à droite, pour pouvoir mettre au milieu, puis après... Ah, pardon, j'aurais mis tout au milieu. Ouais. Vu que c'est dans l'ordre du plus petit au plus grand, ça aurait fait au milieu. Et après, tu les rebascules et ça t'aurait fait du plus grand au plus petit. Fuck. Mais bref, trop tard tellement c'est... Mais... Ouais, ça devrait aller, je pense. Ça je le mets là, comme ça je le mets là. Et ça se trouve, ce que je pensais trop simple, c'est pas possible. Ouais. Ça je peux le mettre là, ça je peux le mettre là, comme ça je peux mettre le gros déjà là-bas. Ouais. Mais tu vois, genre par exemple, tous ceux que t'as là, ouais. Si tu les bascules un par un à gauche, ouais. T'auras plus qu'à les rebasculer après, un par un, jusqu'à tout à droite. Ouais, je peux pas. Parce que là, ah, tu peux basculer que de 1. Oui. Là, le petit, je peux prendre que le petit, je peux pas prendre les autres. Oui, je sais. Celui-là, il va aller là. Si tu mets le violet, ouais. À gauche, ouais. le vert à gauche. Je peux pas, parce qu'il est plus gros que le violet. Ah, je viens de comprendre la logique, ok. Bon ben, my bad. Voilà. J'ai bien fait de faire comme je voulais. Ah ouais, donc en fait c'est méga relou. Ouais. Ok. Ça, je peux pas le mettre là. Ah mais c'est relou de ouf. Attends, je vais mettre là. Là, j'avais pas ça du tout comme ça. Là, ensuite celui-là, là. Tac, non. Tac là, et tac là. Ensuite celui-là, là. C'est pas celui-là en fait. Oui, non, parce qu'il faut le bleu. Ouais, c'est le bleu en fait. Alors attends, je vais refaire. Ça là, et le bleu. On est plus doué que moi sur ce truc-là du coup. Ouais. Là, il faut le jaune. Hein. Ouais. Donc. Je sais pas pourquoi je fais ça, on verra. Non, si c'est bien. Je peux le mettre là, là, là. Alors, je n'ai jamais joué à ce genre de jeu là. Ouais. C'est pour ça que j'avais pas la logique, mais maintenant que je la vois, c'est ok. Bah, à force de faire des jeux d'objets cachés, justement, j'avais souvent ça en fait. Ah, ok, ça me dit rien du tout. Donc, moi j'arrive à voir tout de suite. En fait, il faut séparer. Quand tu vas en mettre un, faut le mettre d'abord sur les extérieurs, ensuite là, revenir, enfin bref. Quand tu veux faire, ça m'a paru logique. Ouais. Que je te genre, okay. Avec les règles en tête, j'aurais pu le faire. Voilà. Donc sur ce genre de jeu-là, fais-moi confiance, je peux y arriver. Je te laisse bien continuer. Ouais, comme sur les... Ouais, comme sur les trucs... C'était quoi les mini-jeux aussi qu'on arrivait là où... Et là où ça... Bah le truc avec l'eau, là. Ah oui. Ah, l'eau, j'y arrivais pas, voilà. Direct. Donc ouais, voilà. Heureusement qu'on est deux. Hein. C'est ça, on se complète. J'ai un sécateur. Yes, c'est trop bien. Ah, on peut faire le château de sable. Look. Encore. Allez, quel mini-jeu. Associer les couleurs aux images des coquillages. Le jeu est terminé lorsque toutes ces images apparaissent en surbrillance. Ah, ok. Bon, le feu. Orange. Orange. Ouais. C'était une bonne lampe. Tac. Ça c'est de l'eau. Bleu. Banane jaune. Ah oui, ça s'éclaire. Ah, c'est pas ça le feu? Ah, c'est rouge. Non, mais du coup c'est bizarre parce que du coup c'est... Là, t'as le nuage tout à droite qui peut être blanc. Ah. Potentiellement. Ouais. Nuage tout à droite. Ouais. Le vert c'est crocodile. Ouais. Et par élimination, l'oiseau est noir. Ok. Oh. Ah, c'est... D'accord. Il est très simple, mais très marrant. Ah, la patte. Ah oui, j'ai re-regardé les pattes de crabe.
En fait, c'est bien ça. En fait, il y a 10 au total. Donc, il y a 4 de chaque côté, plus les deux pinces. Bien, parfait. Donc, il en faut 4. Donc, là, il en faut 2 et une là. Ouais. Je peux la mettre ? Non, je peux pas la mettre. Scène ? Ah. Allez, bien servi là. Faut clair. Après les mini-jeux. Alors. C'est encore sur la scène sombre. On va y arriver. Banane. On a pas déjà fait ça. Je sais pas, ça me dit rien. Pomme de terre, c'est vraiment les trucs pour nous donner faim quoi. Champignon. Eh, je vois rien, j'ai C'est quoi ça? Autrefois, cette statue tenait quelque chose entre ses mains. Ah, pêcheur. C'est une canne à pêche. Il faut lui trouver sa canne à pêche. Ah, c'est ça? D'accord. Pomme de terre. Là, je trouvais, hein. C'est ça. Ah, c'est pas ma journée, c'est pas ma scène. Ah, ça. C'est pas le même jour que d'habitude, c'est pour ça. Ouais, non, c'est vrai. Pomme de terre, il est en bas du tonneau à droite. Ah oui, oh la vache. En même temps, c'est pas les... rien de ressort, c'est... Pomme de terre marron. Ah ouais, c'est ça, marron sur marron. Le bateau jouet, il est au milieu. Quand tu montes, il y a un marteau, il est légèrement à droite. Ah oui. Oh, la vache, les couleurs. Ah non, c'est dur, là. Ouais. Les champignons, je pense que ça va être pareil. Ça va être un... Ouais, c'est ce que j'aurais dit, mais... Ah non, là, oh putain. Non. Non, j'aurais pas trouvé. C'est horrible. Mon œil s'arrête pas là-dessus. Ouais. Alors la banane... Oh, la banane, elle doit être pourrie, je pense. Ouais, je pense. Niveau couleur, je pense qu'ils ont enlevé les... Doit pas être jaune. Jaune. Elle doit être marron. Ça, c'est sûr. Libellule. C'est quoi, ça? Ah, ça pume. Parchemin. J'ai l'oreille qui me gratte. Vas-y, je t'en prie, hein. C'est chiant avec le casque. Je comprends. Ça, c'est un couteau. C'est un très gros couteau. En haut, y a pas des trucs en haut. T'as des trucs que je vois et je me dis non, c'est pas bête, hein. Non. La vache. Parchemin. On va utiliser la technique de je me rapproche de l'écran parce que peut-être que je vais mieux. C'est ça. Ce n'est pas à prouver. Hein, mais... Ah, libellule trouvée. Oh, elle est bâtarde. Tu vois la marmite au milieu? Ouais. Juste sur le bas de la marmite devant. Genre sur le. Sur le. Ah, ça, oh putain la vache. Il y a la banane là. Oh non. Oh la vache. D'accord. Ok. Couteau parchemin. Donc ils en sont là quoi. Ah, le parchemin. Oh putain. Je crois que mon œil s'est arrêté dessus, puis je me suis dit non, c'est... j'ai pas vu dans les mots. Donc... Putain, les couleurs, la vache. Alors là, c'est dur là. Ouais. Et le couteau, j'imagine. Couteau, je me demande si c'est pas ce que. Alors, je suis pas sûr. Hein. Mais tout en haut, au-dessus de là où t'as trouvé le marteau, enfin, où il y a le marteau, un peu au-dessus, un peu à droite. Ah oui. Il y a un genre de bout de lame, j'ai l'impression. Ah oui, ok, putain. La forme du manche. Ah, grappin. Ouais, c'est... Au grappin, ça, c'est facile, il ressort. C'est clair. Faites juste ça en fait. On était pas sans celle-là. Ouais. Grappin. Ah, le grappin pour l'arbre peut-être. Oui. Et lâche-moi. Que dire. Non. Garde-le dans ta main. Je veux pas. Voilà. Alors. Oui, c'était pour ça là. Enfin, c'est ce qu'on supposait en tout cas. Vu quand tu cliquais tout de suite parler de l'arbre. Peut-être juste pour tirer sur l'arbre en face. Ah, voilà. Ok. Alors, pourquoi je pouvais cliquer là? Je sais pas. Je sais pas. Allez, viens. Hop là, ok. Ah, je t'ai de la force. Puis t'as fait disparaître le grappin, du coup, le faisant. Mais prends-la depuis là, tu peux bien la prendre, là, non? Ah là 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 là. Non, je ne peux pas. Colle, pain... Je risque de tomber. Fil de fer, non. Ah, toujours le fil, je sais pas à quoi il sert. On l'a appuyé, ouais, ça fait longtemps qu'on l'a, en plus. Et là, donc là, c'était ça. Non. Ça sera pas plus tard. Ah, mais je peux y aller? Ah oui, je peux passer sur l'arbre en fait. Maintenant que t'as fait le pont, non, après il y a un pont là. C'est l'ancien pont. Ah, les animaux. Toujours les mieux ennemis de tout le jeu quoi. C'est quoi? C'est des chacals? C'est quoi?
Ah, c'est des coyotes. On va trouver un moyen de les faire décamper. Mais on n'aime pas les animaux, nous. True story, j'ai cru voir passer sur Twitter hier soir. Qu'il y avait des Américains qui recueillaient, enfin qui recueillaient des coyotes dans la rue parce qu'ils croyaient que c'était des chiens abandonnés. Ouais, ça ressemble. Ouais, ça ressemble un peu, mais enfin quand même, tu vois. Torche. Bref. Enfin, c'est bruit en plus. Ah bah écoute, ils se battent. Hein. Qu'est-ce qu'ils mangent? Je sais pas, pourtant il y a. Ok. C'est ta faute. T'as gâché tout un truc de pop, mais bon, tant pis. Personne va s'en plaindre. Deux pattes sur trois. C'est une église, ça, apparemment. Ouais. Le tuyau semble percé, le drap m'empêche de voir, mais va derrière. Décroche-le. Ah, aussi, oui. Genre, il a deux pinces au-dessus, tu enlèves les pinces, tout va bien. Ah, c'est 4 heures. Hein. Ok. Oh, une perle. Ah. Du background. L'un des signes distinctifs de cette île est un rocher en forme de crâne. Il semblerait qu'elle essaye de prévenir les marins du danger qu'elle représente. Ça, on l'a bien vu. On a eu plutôt la chance de s'en sortir en vie, quoi. J'espère qu'il va pas falloir y aller. Il y a un trou dans ce mur, mais le plâtre empêche de voir ce qu'il contient. Un outil pour le racler. J'aurais dit la masse, j'avoue. J'aurais pas raclé, moi, j'aurais pété tout, hein, mais... On a créé un message sur le mur. Nettoyer, putain. Mais... Ah, mais faut tout faire, là. J'ai pas de... Mais je pense qu'il doit falloir le drap pour nettoyer. Pourquoi ça me prend toujours les objets là chez moi, en fait? Je ne sais pas. On peut pas avancer, en fait. Avec les coyotes, ça risque d'être compliqué. Ok. Ah, lui. Non. Ah, je peux pas prendre un fruit pour lui, là. Non. Bien essayé. Dommage. Il fallait que je prenne, il y a ça. Il y a ça. Là, on a tout fait ou pas? Ton marteau, tu vas pas péter le. Ah oui, le vase, ouais. Ah oui. La masse. Ouais, pardon, la masse. Allez. D'accord. Oh, ça l'a bien sectionné pile. Oh, une bombe. Ah oui. Ah oui. C'est un concept, je pensais un boulet de canon à la limite, mais pas. Ouais, ça doit être pour le canon. Hein. Tu vas tirer une bombe. C'est un peu dangereux. Oh, fuck. Ouais, il faut un vrai boulet, quoi. Ouais. Là, y'a plus rien. Ah, si, y'a ça. Ah non, ça, c'est inondé. Est-ce que le porridge machin, on a tout fait là? Ah non, il y a encore ça là. Il y a une nouvelle bouteille. Ouais. Ah oui, c'est la bouteille qui est dans la mer, enfin dans le fleuve là. Il y a des chances, ouais. Et ça, il y a encore là. Tellement de choses. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il n'y a rien de toute façon. Là, il n'y a plus grand-chose là. Juste ça. Je crois que si on balance une bombe, elle sera contente. Ça, j'ai fait ça. Là, on a le coup de canon. Hein. J'allais dire un coup de canon ou une bombe. Hein. Oui. Ah oui, je sais pas. J'ai rien pour l'allumer. Après, je pense que si te dis un coup de canon, c'est que ça va être un coup de canon. Ouais, moi, je pense qu'il y aura. Oh. Ah bah non. Okay. Plus qu'à allumer la mèche, d'accord, donc il n'y a pas besoin de. Okay. Pourquoi tu parles de coup de canon alors? Je sais pas. Parce que le coup de canon, moi, c'est pour le crâne, la tête de crâne, là. Ouais, mais... t'aurais pu repositionner le canon, je sais. Ouais, c'est clair. Parce que le canon... Généralement, dans les objets cachés, quand il te dit « il faut ça », c'est qu'il faut ça. Oui, c'est clair. Il n'y a pas d'alternative. C'est bizarre. Ouais. Parce que le canon, et j'ai vu que le canon était pointé sur le crâne, donc... c'est bizarre. Ouais, mais t'aurais pu faire deux coups, tu vois. Ouais, tu trouves deux boulettes, tu tires une fois à droite, une fois à gauche, quoi. Alors, Omar, tu fais pas chier, tu fais des trucs bien, s'il te plaît. Tu nous dis. Voilà. Ici? Non. D'accord. Ici? Non. Ok. Alors c'est le canon? Non. Même pas. Par contre, si tu nous dis qu'il y a rien, je... Par contre, ouais, si nous dis ça partout...
Qu'est-ce qu'il y a? C'est compliqué. Ouais. D'accord. Ça, c'est vraiment mal fait qui te mette pas directement sur l'endroit où tu peux faire quelque chose. D'accord. Ok. Ok. Parce que même lui, il a l'air de s'emmerder, quoi. Ah. Ah, la torche, ça t'allume la torche. Ah oui, j'ai une torche, ah bah oui. Et je vais pouvoir allumer la... Nice. La bombe. On aurait mieux... Faut qu'on regarde mieux les objets. Ouais, mais non, mais... C'est vrai. On oublie ce qu'on a, des fois. Attends, qu'est-ce qu'on a comme objet? Il y a fil de fer, mode de clé, pince, tournevis... Il n'y a pas besoin de tournevis, aussi. Je ne sais pas. Non. Ah, peut-être pour gratter le plâtre. Ouais. Étoile de mer, colle, rouage, sécateur. Et ok. On fait péter ça déjà. Allez. Hein. Attention. Oui, on se voit pas trop. D'accord. Alors. Ça a explosé super fort, mais dans toute petite zone. Ah, c'est joli. Ah, c'est mignon, ouais. Petit jardin. Bon, hormis le nid d'abeille. Oui. Mais quoi que j'ai vu une vidéo d'une apicultrice, je pense qu'on appelle. Ouais. C'était pas quelqu'un qui élevait des abeilles mais qui les déplaçait. En mode genre si t'as des problèmes d'abeilles chez toi et tout. Et elle y allait en mode sans gants, sans rien, tu vois. Ah oui d'accord. Faut qu'on n'a pas peur hein. C'est clair. Quelque chose et au fond. Bah, elle a rien eu donc c'était drôle. Faut couper l'eau, comment? Il y a un bouton. Mets ton doigt dans la bouche. Bon. Ah oui. Il faut pas le retirer quoi. Ah, je peux prendre le... Non. Alors... Ouais, trop content, tu devras recoller le bout de fontaine qui manque. Ah oui. Il manque quelque chose sur le bras de la statue. Porter un bracelet. Ah oui, là. On n'a pas. Ça, c'est quoi? Le tableau a blanchi au soleil. Les contours de l'image apparaissent encore clairement. Faut que je la reconstitue. Super. Ouais. Et là, faut se débarrasser des abeilles. Ok. Y a un truc donc là. Donc 4 trucs différents et on a rien sur les 4. Ah. Y a un truc là. Un cinquième endroit. Ah oui, j'ai un petit sécateur. Ah ah. Coupé. Jardinage. On fait que du jardinage. Ouais. Allez. Hein. Racloire. Ah. Je racle quoi? Le plâtre. Le plâtre. Qui était où? Celui qui est tournevis. Sur l'église. Ah oui, ça. Ok. Évidemment, ça nous coupe. C'est pas drôle sinon. C'est clair. Y'a pas de carte, ouais, c'est vrai, c'est chiant. Mais après, les environnements sont plutôt petits. Hein. Enfin, là, ça s'ouvre un peu, mais. Oh, patte de crabe. Ah, la dernière. Nice. Non, la dernière. Parfait. Ah oui. Je crois, ouais. Nice. Oh, scène. Ah, voilà, sur le chemin encore. Ouais, ça, c'est... Bon. Qu'est-ce que c'est bien, ça? Ça s'enchaîne. Alors. C'est plus coloré. Ouais, ouais. Un peu. Un peu. J'ai vu le mot ananas, je trouve pas de premier. Enfin, ouais. Mais c'est peut-être pas si simple. Quoique si ça me dit quelque chose. Si, là où t'es. Là où t'étais. Genre sous le bon jeu. Ah oui, là. Ouais. Bon, ça va dire plus simple. Quoi? Non, je veux ça. Ça me fait. Je reste. XXX. Voilà. Théière au milieu tout en haut, un peu à gauche de la statue. Au-dessus? Ah oui. Chevalier. Ah, c'est lui. Pigeon. Je me demande si c'est évident. Ah oui, c'est évident. C'était ça. Crâne, pareil, assez évident en bas. Ah oui. Ça, c'est quoi? Une girouette cassée. Oh, ça va être relou ça. Qu'est-ce que je peux prendre pour faire girouette ça? Ah, peut-être. Je suis pas sûr. Non, je pense pas. On va voir si ta souris réagit. Si tu montes un peu ta souris de là où t'es, t'as un genre de portefeuille un peu bizarre sous une trompette. Ouais. Et sur ce portefeuille-là, il y a un petit robot avec une petite flèche. Bon, non, t'as souvenir pas la gine, donc ça. Ouais. De dire, ouais, ça peut être un bout de girouette, ça, mais. Ouais. Pas du tout. Faudrait, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, cadre, par contre, là où je t'ai dit le truc sur la girouette, bah, un peu plus haut et un peu plus à droite.
au-dessus d'un parapluie. Donc, cloche-coffre. Cloche, elle est au-dessus de la trompette, de l'avant de la trompette. Oh la vache, toute petite. Ouais, petite, hein, je l'accorde. Il ouvre un gong aussi. Ah, le coffre. Ah. J'ai en fait une gong. Et des non. Et des tam-tam, c'est un gong ça, non? C'est ce que j'avais fait au début, c'est pas ça. Ah, ça? Ah oui. Ah, je l'ai pas marié. Et girouette. La cacahuète. Ah là! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, ok. Ah oui, mais ça ressemblait pas à ça quand tu l'as pris. C'était plus petit en plus. Ça a pas tout fait la même couleur et tout. Mais non. Brosse, ah je l'ai vu. Au-dessus de ton crabe. Omar. Ton écran vis. De Omar. De Omar, ouais. O-M-A-R. C'est Omar. C'est Omar. Alors j'ai quoi là? Une brosse. Alors on est bien avancé, tiens. Parce que c'est pas la hérisson qu'on brossait et c'est vraiment pas les coyotes. C'est ça, non? Ah, mais c'est ça. Pourquoi t'as-tu peut-être falloir apprendre du tout? Ah! Ah, c'est l'indice. Ça va recommander les papates. T'as noté? Oui. Oui, bien sûr. ok. Alors, on peut rentrer. C'est vraiment inscrit. Ouais. Alors, les papates. Ok. Ah, vous devez disposer du corps. Ah, il est gentil. Oh, nice. Oh, putain. Alors, ça bouge comment? Juste deux? Ok. Bon, ça va, si ne sont pas bougés entre eux. Là c'est bon, là c'est tout droit. Non. Non. Bon, ça va être approximatif, hein, je pense. Hein. C'est comme ça? Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ouais. Là c'est tout droit aussi. Quoi? Et là c'est juste à côté. Non, c'est pas comme ça. Ça va être relou de ouf. Ouais, comme ça. Hein. Ouais. C'est comme... C'est droit et là... Ouais, ok. Ça, c'est comme ça. Ou comme ça? Non, comme ça, plutôt. Ouais, j'aurais dit comme ça. Là, c'est comme... Je vais un petit plus bas. La branche. Ah, ouais. Ok. Et là... Non, et du coup, tu remontes un tout petit peu le... la lame, peut-être. Ah, oui. Ah, oui, ok. Là, c'est tout en haut. Le dessin est très petit, hein. Ouais, c'est pas ouf. Je peux bouger que deux, là, sérieux? Ouais, ben comme ça. Ouais. On va peut-être les même remonter encore d'un cran. Ouais, c'est comme ça là. Ouais. Ça a l'air. Non, je vais peut-être la remonter encore un peu. Celle-là? Non, mais juste la lame. Ah, juste la lame. Ok. D'accord. Alors là, en dessous, alors. En vrai, je. Ouais. Non, tu peux pas. Ça doit être là que c'est soireux là. Putain, les. Attends, que... Plus loin, hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce portail? Ouais, c'est. Ah, à moins que. Attends. Non. Je pensais qu'il y avait plusieurs positions selon celle-là, comment elle est, mais non. Non, la priorité est bien. Quel enfer. Ah, non, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça en fait. On peut essayer, ouais. Redescends juste la patte et on va voir. Ah, ok. Putain, je... tu dessines mal, hein. Oui, on va peut-être reprendre des petits cours de dessin. Ah, est-ce que je peux aller la sauver? Ah, ce serait bien. Est-ce qu'on va bien t'accueillir? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Il y a quand même l'air beaucoup de verrous, hein. Ça va pas être accessible tout de suite. Mon dieu. Ah, c'est glauque, j'ai pas vu. C'est clair, un peu, ouais. Mais cette petite main qui tient le sac, là. Ah, sac vide, ok. C'est quoi, ça, en fait? Je crois que c'est un mec mort, écrasé par un chandelier. Un chandelier. Donc quoi que, non, ça s'appelle comme ça, non? Oui, le truc qui est au plafond. Hein. Un lustre. Lustre, voilà. Le chandelier, c'est plus petit. L'image est incomplète, il va manquer plusieurs tableaux.
On a rien. On a rien, s'il vous plaît. On peut racler le tableau avec un râteau, mais c'est tout, quoi. Ah, il manque des poids, non. Il manque l'engrenage, ah. Il manque tout. Ah oui, mais le balancier aussi, putain. Hein. Après, t'as un sac à remplir, techniquement, donc... Ah, voilà. Okay. C'est le vent qui fait ce bruit, là, c'est horrible. Je sais pas. Ok. Cheminée, oh mon dieu. C'est sympa, les têtes de... de démons sur le côté. Ah, ce lion a perdu deux crocs. Ok. Ah, on a pas les mêmes lions. Il est agressif. Vraiment. C'est clair. Ça, c'est quoi? Non, c'est vrai. La porte est verrouillée par trois imposants cadenas. Elle contrôle sans doute l'accès au cachot. Okay. C'est par là qu'il faut aller. Sympa. Cadenas carré, triangle et rond. Ok. Au moins, les comprend pas. C'est clair. Alors, je peux monter. Ok. Visitons, écoute. Oh là là. En vrai, il y a un petit style à l'étage. Mmh. Ça aurait pu être joli, mais... faire du ménage et tout. Hein. C'est clair. Mais les petits vitraux... Ah. Il y a l'air d'avoir de l'espace... Mmh. Ah. Je dois trouver les fragments de vitrail manquants si je veux lire l'histoire qu'il raconte. Ok. Il y en a beaucoup, quand même. Bon, l'histoire au milieu, elle a pas l'air très joyeuse. Hein. Laisse-moi partir. Il y a des flammes et des gens qui crament, mais... Ah d'accord. Sympa. Alors, ça pour une scène. Je peux aller là. Je sais pas quand tu vas faire la scène, mais... Clé. Et là... Ah, petite perle. Du l'or. Les rescapés de l'un des naufrages au large de l'île sont parvenus à la coloniser. Elle était assez grande et ses terres suffisamment riches pour qu'ils survivent. Il ne leur a fallu que quelques années pour bâtir des maisons à superbe manoir. Ah, ça doit être là où on est. Bah si, ils ont bâti tout ça avec rien, ils sont quand même doués. Hein. C'est clair, c'est pas mal. Quoi, il y en a quand même qui sont parvenus jusqu'ici. Bon, ils ont plus l'air d'avoir survécu longtemps. Quoi. C'est on clair. Sait pas combien de temps ils ont survécu. Mm. Ils ont très bien vécu, ils sont morts tous de vieillesse. Ok, alors est-ce qu'on fait cette scène ou pas? Alors là... Parce qu'on est, on est à 32 minutes, donc... Ouh. Après, on peut... Ouais, comme tu veux. Ouais, alors on l'a fait. Allez, ça se trouve, va être horrible, on va mettre une demi-heure dessus, mais... C'est clair. Et on se dira, bon, on va pas la faire, en fait. Une boule de Noël. Raisin au milieu, tout à gauche. Collier. Bouton. Fossile, à côté de la haute trouée de raisin. Collier. Compas. Ah. Collier, je me demande si c'est pas ce qu'il y a en haut à droite. Ah oui, c'est en suspendu. Ouais. Ça faisait plus bracelet que collier pour moi, mais bon. Pelle à tarte. Ouais, j'ai vu ça. J'ai un accordéon aussi. Ah, une jambe de bois, ok. Alors, tout en haut, à côté de guide, t'as, je crois, un rhinocéros. Genre noir. Ah, oula, je crois que c'est un éléphant à la base. Ça, c'est quoi? Théière. Ah, c'est le manche de la théière. Ah, faut trouver le reste. Ah, si, elle est devant. Ah, c'est pas le manche, c'est le bec versoir. Ah. En bas à gauche. Ah oui, là. Look. Bon, les couleurs étaient plutôt respectées. Hein. Étoile. Ah, le bouton. Ouais, ce que j'allais dire. Compas. Il faut essayer de fuir ta souris, comme ça je trouve un truc où tu regardes. C'est ça. Ouais, sinon, t'entends la même chose en un moment. C'est pas très efficace. Dragon. Il manque quoi? Pelle à tarte. Loul. Ah bah oui. Ah c'est ça. Ok. Et toi, dragon, compas. J'aurais pas dit pelle à tarte. Compas en bas. Tu pars du milieu tout en bas et tu vas un tout petit peu à droite. Ah oui là. La vache. Dragon, sérieux là? Non, compas. Ouais. Pas une vache. Ah, étoile trouvée. Tu vois la corde de pendu? Ouais. Et bah légèrement à gauche. T'as ah oui. Oh putain. Et le dragon. Je me demande si... Je suis pas sûr. Mais je me demande si c'est pas un peu en dessous et un peu à droite de là où il y avait l'étoile. Au fond, il y a un truc et je sais pas ce que c'est. Ça hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Non.
C'est un trou, non, dans, c'est un trou dans le mur. Vu qu'il y a une forme un peu bizarre, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une souris qui est allongée sur un truc. Oui. Ouais, je saurais pas dire. Mon dragon. Dans le doute. À trouver, je crois. Tu vois la roue tout au milieu? Ah oui. Ah oui, ok, putain. Et comme quoi, ça dépend de la limite de la scène, donc je suis efficace. Cube. Ok. Bon, ben, on va s'arrêter là. Oh, c'est clair. Efficace. Et on va... Donc on va essayer de débloquer ces portes pour aller porter secours à l'autre, là. Dans le prochain épisode. Parce que du coup, ça fait 2 semaines qu'on... On met 3 semaines à aller les voir, quoi. C'est clair. On va arriver. Inquiète. Patience. Je pense qu'elle est plus à quelques années près. On est où, là, en fait? Chapitre 5... Ah, chapitre 6? Ah, on avance vite. C'est pas mal. Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires à partager, et à la semaine prochaine pour la suite avec Wenzel, bien sûr. Évidemment. À la semaine prochaine, et ciao, ciao. Salut.